Il y a un énorme cube. Rien dedans. Soit. Là, il y avait quand même deux trous ici. Ah tiens. Communique. Ça c'est le secondaire. En dessous il y a l'intermédiaire. Et encore en dessous il y a la transmission, je pense. Là, je vais mettre en arrière, c'est lente. Du coup ça va. Donc le baladeur va vers l'avant. Et le levier en avant, c'est rapide. Le baladeur va vers l'arrière. Ok. Ok, il reste une vis là. Super les gars. Pratique ça. Ça va. Voilà ce que j'ai gagné. Bon, la sangle de l'embrayage est tendue. Qu'est-ce que ça nous dit? Et le moteur, je ne sais pas dans quel sens il tourne. Bon, là, c'est le sens horaire. Point mort. Première. Deuxième. Un tour de primaire. Troisième. Que je recommence à troisième. Un tour de primaire. On va mettre la quatrième. Et un tour de primaire. Ok, ça c'était intéressant. Maintenant on va essayer de faire reculer l'arbre. Alors, est-ce que ça recule? Putain. Pète les couilles. Pourquoi ça recule pas? Un putain de roulement au milieu, qu'est-ce que tu veux que ça recule, quoi?
c'est quasiment tout dévissé. Cette vis sont défrénées. De ce côté, les écrous sont retirés. Ils étaient freinés également. Ensuite, cet écrou très compliqué, car j'ai dû. Elle est où? J'ai dû aller meuler ma clé mon œillet de 21 pour que ça puisse rentrer. Sinon, ça rentrait pas. Celle-là, ça va. Normal. Celle-là, cet écrou, ça va, un peu exigu, mais on y arrive en changeant la clé de position. Et cette vis-là, ouais, c'est bon. Rien de compliqué ici. Bon, j'ai dû faire reculer le tracteur. Oui. J'ai retiré les cardans de transmission avant-arrière pour avoir accès à tous les écrous des cardans, ceux qui étaient au-dessus. Mais j'ai dû tirer le tracteur en arrière avec un palan en traction, on ne sait pas. Pas orthodoxe vu que le palan c'est pour du levage, mais bon, voilà. Maintenant je vais séparer, on va voir. Ah, j'ai vu l'arbre secondaire venir avec le démultiplicateur, ça déjà c'est rassurant. J'ai oublié les fixations latérales. Ça, cet écrou là. J'ai pas dévissé ces trois vis, j'ai dévissé cette vis là. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai dévissé les trois vis. Parce que la vis était très rouillée. Et surtout que de ce côté là, les trois vis sont très dures d'accès parce qu'il y a le pot d'échappement, enfin la ligne d'échappement. Bref. Ok, j'ai fait descendre le clic. C'est plus facile à faire tourner l'arbre. Cependant, c'est pas encore fluide. Très bien, on arrête là. Bon, j'ai déposé. Enfin, déposer, c'est un bien grand mot. J'ai démonté la ligne d'échappement. S'il y avait cette vis à retirer des. Ah, je sais plus où elle est.
Alors après, pour que ce truc il puisse passer à droite, parce que sinon il se gêne encore un peu, mais là je pourrais jouer un peu. Bon, je vais carrément séparer les deux bouts, je vais couper la bande thermique du coup, voilà, et maintenant grâce à ça j'ai gagné du mouvement entre le démultiplicateur, enfin ce qu'il y a derrière le démultiplicateur et le pot d'échappement, le silencieux entre guillemets. Là j'ai retiré le pot d'échappement, les pignons de troisième et deuxième ils restent solidaires avec les pignons de troisième et de deuxième de l'intermédiaire à cause des chevrons, du coup ça c'est tout qui suit. Alors la commande de différentiel, on chope la goupille. On a bien tordu cette goupille. Que ça le fait là. Bon, la vidéo a coupé, j'ai fait de l'espace, je viens de retirer ce pignon. Baladeur troisième, quatrième. On retire celui-là. Là, c'est rayé sa mère. Je ne sais pas si c'est... Bref. Normal. Aussi il a rayé sa mère. C'est pas bon. Ouais.